Il est en vie? Oui, mais c'était un sale coup pour mon commandant bien-aimé. Victorieuse mérite sa réputation. Carmine! Et voilà le moment que j'attendais. Carmine, sale traître! Qu'est-ce que tu fabriques? Oui, oui, parfait. Voilà le pouvoir d'un commandant de Légion. C'est fantastique. Eh bien, vous faites une de ces têtes. Tout le monde a eu ce qu'il voulait, non? Profitez de votre victoire. Que nous prépare ce démon. Il semble que notre guerre soit enfin terminée. Enfin, nous voilà à la maison. Votre Majesté, vous allez bien? Où est Sherisht? Sherisht est mort. Votre Majesté, vous devez revendiquer le trône. Je ne devrais même pas être ici. Ce n'est pas une victoire. Tout ce sang qui a coulé est celui des Luthériens. Mais nous les pleurerons plus tard. Descendants de Luthéran, la guerre est finie. Regardez. Regardez autour de vous. Beaucoup ont perdu la vie. Le mur des héros est rouge de sang. Rappelons-nous pourquoi nous avons combattu. Nous avons lutté pour nos familles, pour offrir un avenir meilleur à nos enfants. Alors relevez fièrement la tête. Nous sommes le Luthéran, la terre des chevaliers. Ce lieu fait partie de chacun d'entre nous. Rebâtissons une fois de plus notre histoire. Notre volonté ne faiblira pas. Nous recevons l'héritage de nos ancêtres. Et nous restaurerons la gloire du Luthéran, la terre des chevaliers. Admirez. Cette lumière est la vôtre. C'est l'aube d'un nouveau jour. Nana, j'avais pas mon micro. Ça avait changé. Oh, c'est joli. Bah, c'est plus joli que l'autre jour. Hein. Ah, c'est moi. Je suis une princesse. Il va me faire chevalier de la table ronde. Le Luthéran est sauf. Et c'est à vous que nous le devons. Oh, tu chantes. Je tiens. Franchement, faut pas. Hein. À vous remercier du fond du cœur. Moi, le roi Tyrael, déclare qu'en remerciement de vos nombreux actes de bravoure,
Oui, termine ta phrase. Vous recevrez séance tenante, le titre de chevalière royale et gardienne du Lutheran. Mon adoubement. Gloire à la chevalière royale. Je salue mon public. Non mais je blague. Ok. Bah c'était bien cool en tout cas. Merci. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. C'est maintenant à moi de vous aider. Ah oui, je crois bien, oui. Chevalière royale. Merci. Heureusement que je ne suis pas trop en retard. J'ai l'honneur d'apporter d'heureuses nouvelles. Le roi Tyrion vous a fait don d'une forteresse. Une cérémonie de domaine se déroulera bientôt au palais. Je veux une forteresse. Je vais avoir une maison. Mais non. Really? Oh my god. Yes. Chevalière royale. Yes, this is me. Oui. Pour avoir protégé le monde mortel et fait honneur aux Lutherans, je vous octroie. Moi, le roi Tyrion de Lutheran. Une forteresse. On a une maison. On n'a plus besoin de dormir dehors. Je suis fier de pouvoir vous appeler mon ami. Oh, c'est mignon. Cette forteresse sera une récompense à la hauteur de vos efforts. Merci beaucoup, votre majesté. C'est quand même moi qui ai fait ta couronne et moi qui ai fait tout le reste, donc oui, c'est sûr et certain que tu peux faire au moins ça, quoi. Être rempli de grâce et de Régulus. Merci. Acceptez cette modeste partition. Elle vous permettra de jouer le chant du foyer. Chant du foyer. C'est exact. Le barde. Vous pouvez jouer le chant du foyer que vous soyez pour voyager vers votre forteresse. Mais c'est trop bien. C'est quoi déjà les chants du foyer? C'est F2 les partitions, ok. Chant de bravoure, chant du foyer. Elle est jolie la musique, mais c'est pas la meilleure. Tu m'as parlé, j'ai pas entendu. Non. Oh, c'est chez moi ça? Mais non. Mais non, j'ai rien construit encore, c'est pas à moi tout ça. Mais en gros, j'ai tout ça à faire. Oh là, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, j'ai enfin, dit tout à l'heure, je crois, j'ai dit merci pour le labo. Après, on a discuté vite fait, j'ai dit merci, mais c'est tout, je crois. C'est plus. J'ai la forteresse, ma gueule. Trop bien, niveau 1. Nameless Territory. Alors là, par contre, on va la changer direct. Bienvenue Adeline. Oula, un peu trop sexy à mon goût, je trouve. Comme ça, je sais, Tyrion me l'a demandé, je suis maintenant votre majordome. Je m'appelle Adeline. C'est possible de changer, de mettre un mec? C'est un grand honneur de servir le chevalier royal. Tout le monde ici attendait votre venue avec impatience. T'as intérêt de bien nettoyer ma maison, sinon je te jure que ça va le faire. C'est quoi ça? Montez à bord du ferry et explorez les merveilles de votre forteresse. La route secondaire entre l'île principale et l'île lointaine est l'attraction principale de la visite. Port de l'île principale, porte de l'île principale, route secondaire, port de l'île principale. Ok. Bonjour. Oula, il y a du monde. Oh, j'ai un truc. Mon facteur, c'est un arbre. D'accord. Un tailleur de pierre. J'ai Jennifer, je sais pas qui elle est. On va dire bonjour à Jennifer. À votre service. Ok. On va dire bonjour au tailleur de pierre, Ripetor. Bienvenue, maîtresse. Non, c'est gentil. Chevalier Jonathan. Toi, tu vas finir dans mon lit. C'est un honneur de servir la chevalière royale. Ouais, c'est ça. Serre-moi bien, t'as raison. Et au facteur, du coup. Il est trop cute. Vous êtes la personne que nous attendions tous. Tout le monde ici est aussi... pur que l'eau des montagnes, c'est vraiment formidable.
Enfin, les humains, en tout cas. Mais les autres sont aussi bons. Vous ne vous en faites pas. Bah, j'espère, ouais, que le lutin de, d'Arthur et les Mini-Boys, il va être sympa. Aujourd'hui est un grand jour. Allez donc voir Félix. Qui est Félix? Qui est Félix? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... ce sont des elfes de maison? Mais c'est trop mignon! Bien sûr, c'est notre maîtresse. Maîtresse, s'il vous plaît, donnez un nom à nos terres. Il y a que les Kokomos qui oseraient ne pas donner un nom à une forteresse. Jouer le F2 chant du foyer pour donner un... Ouais, ça, ok. Cliquez sur en haut à gauche de l'écran pour donner un nom. Oh, il se mange. Qui ça qui se mange? Comment on peut l'appeler? La forteresse. Alors déjà on va écrire forteresse de la solitude. Non, ils ont l'air tous trop mignons. Je vais mettre genre forteresse de la solitude, genre référence à Superman et Supergirl. Les elfes. Mais non, ça se mange pas. Ils sont à mes ordres. Ils sont trop cute. Mais attends, il y a deux secondes, il a pas dit qu'il y avait que des Mokoko qui ne donneraient pas de nom à leur forteresse. Mais c'est pas ce qui est marqué derrière, Mokoko. Comment je pourrais l'appeler? Ben, je sais pas moi, forteresse. Je sais pas. Comment je peux l'appeler? Je veux que ce soit en rapport, genre avec tous ceux qui travaillent là, c'est trop mignon et tout. Je sais pas comment je peux l'appeler. Pourquoi elle fait des bruits bizarres l'autre? Mais elle essaie d'attraper quoi? Le vent? Ouais, d'accord, mes elfes ils sont pas très intelligents. Je sais pas, je pense que je pourrais modifier par la suite. Donc en vrai pour l'instant, forteresse de l'amitié. Forteresse in love, on va l'appeler. Ah, je peux pas écrire à. Le fort in love. Fort in love, on va l'appeler. Fort in love. C'est rigolo. Oui, bon, je pourrais le changer plus tard, mais... cette forteresse s'appelle désormais... Oh, fait terminer. Ok, d'accord. Vous avez tous entendu? Le nom de notre forteresse est Fort in love. Nous sommes maintenant les habitants de Fort in love. Yes! C'est rigolo d'appeler ça Fort in love. Notre maîtresse. Tout le monde m'accueille. Pourquoi il n'y en a qu'une seule qui m'accueille? Na 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 na. Je la connais cette musique, je kiffe cette musique. Épatant, content de vous voir. Ah mais vous êtes même en forme de cœur, j'avais même pas vu. Mais c'est juste trop cute. Ok, faut que je fasse quoi d'autre? Je sais pas. Mais ils me disent qu'il faut que je reste dans le cercle, je suis dans le cercle. J'ai gagné 863 pièces d'argent. Faire preuve de dévotion en applaudissant avec... Ah. Slash, faut que je mette quoi? Applaudir. La commande n'existe pas. J'ai mal écrit. Mais applaudir. Avec deux P. Ben oui. Ah si, c'est bon. J'ai dû faire une faute en or. Félix, l'adorable. C'était parfait. Franchement, nous répétons jour et nuit depuis 3 jours, sérieux. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez enfin là. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Touche pas à mes elfes, Maxou. Je te vois te lécher les babines. Ça se mange pas. Adeline la sexy. Yes. J'ai décidé d'un nom pour la forteresse. Fort in love. C'est bel et bien un nom digne de la chevalière royale. Je vais le dire aux habitants de ce pas. En attendant, que dites-vous d'aller visiter l'île que vous venez d'... Oui, carrément, je suis d'accord.
que je viens d'avoir, tout à fait. Allons-y. Oh, j'ai même une passerelle qui bouge toute seule et tout. On va voir si je fais map. Oh, j'ai tout ça à moi? Oh là 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 là. Tout ça, c'est à moi? Mais non. Bah si. On peut même la faire monter de niveau, Fortune Love niveau 1. Mais c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi? Regardez. Observez les terres bientôt cultivées. Oh my god. C'est ma maison. C'est le premier MMO où je vais aussi loin. Ah, c'était trop cute. Franchement, j'adore. Merci beaucoup. Je les remercie de m'avoir offert J'ai une maison. J'ai préparé quelques petites choses qui, je l'espère, vous faciliteront un peu la tâche. C'est-à-dire, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'énergie d'action. Celle-ci vous renseigne sur l'état général de la forteresse. C'est-à-dire, l'énergie d'action est une ressource servant pour chacune des activités de la forteresse. Elle s'affiche en bas au centre de votre écran. Regardez donc le rapport pour plus d'informations. Énergie d'action, ressources utilisées pour les recherches, la fabrication et les expéditions de la forteresse, ainsi que dans la cuisine. Ok. D'accord. Et là, actuellement, elle est où? Là, énergie d'action. Je suis à 15 000. Ok. La garde-robe, les placements, la gestion, la vue étendue, partition, monture, artisanat. Oh, je peux voir toutes mes montures? Je peux voir toutes mes montures. Trop bien. J'ai quoi là dans mon sac? Tu m'as donné quoi? Ici. Ah, ils m'ont donné du bois, des pierres. Et c'est tout. D'accord. Ensuite, consultez le F5 rapport d'activité. F5. Ok. C'est à votre disposition pour consultation à n'importe quel moment, maîtresse. Oh, elle m'appelle maîtresse. Arrête, tu pourrais me faire changer de bord. Me parle pas comme ça. Je suis à votre service. Bah, Bugo encore, merci. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire, madame. Voulez-vous essayer d'utiliser l'énergie d'action de la forteresse pour la gérer? Carrément. Le climat est doux, et sur ces terres, les ressources sont abondantes. Ah bon? Avec suffisamment d'intérêt, cette partie du Lutéran pourrait bien devenir la meilleure. Moi, c'est même sûr. T'as cru quoi, toi? Bonjour. Qui es-tu, toi? Push. Lui, c'est les recherches. Tu ressembles à quoi, Push? Oh, t'es trop jeune. Avez-vous vu ça? Quoi? C'est ici que vit Pussy, notre chercheur. En mode gestion. Cliquez sur le laboratoire pour lui parler et lancer les recherches. C'est lui qu'il faut gestion, que je parle, du coup? Vous pouvez prendre toutes sortes de décisions. Gestion. Et je peux faire quoi? Lancer les recherches, une fois sélectionné, entrer dans le laboratoire. Acheter de nouveaux outils de fabrication. Rechercher. Ok. Et ensuite, j'attends. Wow, c'est joli. Recherche terminée. Ah, faut cliquer sur recherche terminée, ok. Et ensuite... Échappe pour quitter le machin. On va finir et parler à Adeline. Oh, cela nécessitait votre attention de toute façon. Merci de vous en être occupé si rapidement. De rien. Grâce à votre autorisation pour les recherches, les emplacements de fabrication ont augmenté. Nous pouvons maintenant passer plus de commandes de fabrication à l'atelier. Vous devriez essayer de fabriquer quelque chose, vous aussi, je suis sûr que vous maîtrisez ça en un rien de temps. Parle-moi de la fabrication, l'atelier de fabrication. Maintenant, permet de fabriquer des objets de combat, de la nourriture et d'autres objets utiles que vous en avez. Vous pouvez aussi créer des objets pour décorer la forteresse. Vous pouvez passer directement par Dorothée pour passer commande si vous voulez. Mais le mode gestion sera plus pratique. Si vous bougez la souris et maintenant la molette enfoncée, vous pouvez déplacer la fenêtre du mode gestion. Vous pouvez aussi appuyer sur ZQSD
pour faire la même chose. Je vous laisse un peu de temps pour vous familiariser avec tout cela et si vous avez rien à fabriquer, une potion. Ok, contrôle 1. Contrôle 1. Avec ZQSD, tu vois ? Ah ouais, et là du coup... Ok, d'accord. Ouais, sinon je fais comme ça en fait, ok. Et faut que je fasse quoi ? Fabriquer objet de potion. Ici. Non, ça marche pas. C'est pas ça que je veux, que faut que je fasse. Faut que j'aille où ? Fabriquer objet de combat. Potion de PV. Laboratoire. Non. Fabrication. Potion de PV. Ah, et du coup, c'est à ça que servent les fleurs que j'ai récoltées. Ok. Je viens de comprendre. À quoi ça sert, du coup? Je viens d'avoir deux potions récupérées. Nous avons un invité. Ah bon? Qui ça? Qui est venu chez moi? Le maître de Rivag, Kals. Ouais. A promis de nous donner des marins. Des marins? Comment ça, il donne des marins? Il veut quoi, lui? Pourquoi il donne des marins? Qui es-tu? Après, fini la mode gestion. Sortir de l'inventaire, elle est à la station d'expédition. Elle est où, la station d'expédition? GG, merci. T'as toujours pas joué du coup, Maxo? Donc là, je peux faire des trucs, ok. Mais en fait, j'ai plus besoin d'avoir l'affinité avec les personnes. Alors si, parce que ça me donne des cadeaux, mais... En vrai, c'est bon, j'ai tout chez moi, quoi. Me voilà soulagé. Pourquoi? J'étais un peu inquiète à propos de l'expédition, car nous manquions de marins. Heureusement, le maître Moronto en est arrivé. Attends. Nous avons aussi reçu divers objets utiles en fonction de la forteresse. Je vois le chariot, donc tout est là. Le seigneur Kals a l'air... Merci d'avoir fait tout ce chemin, seigneur Kals. Quand j'ai su que le chevalier royal allait avoir une forteresse, j'ai pensé que Kals Moronto ferait parfaitement l'affaire. Il se la pèterait pas un peu, celui-là? Les marins et les provisions que j'ai ramenées du port devraient m'être utiles. Il a l'air méchant. Moi, je l'applaudis comme un mongol. Non, tu passes pas plus 6 heures pour pas rejoindre un serveur. Si t'arrives assez tôt, franchement, y'a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai eu aucun problème. Hein. Aujourd'hui, le plus long que j'ai attendu un moment, il était quoi, 18 heures? Et j'ai attendu, je crois, 10 minutes. Y'a vraiment en semaine, quand t'arrives genre à 19h, 20h, là, tu m'es gavé de temps. Le seigneur Kals a l'air aimable. Vous ne trouvez pas? Oui, super chien, non, pas du tout. Était le seigneur Kals du port Rivag, ok. Il vous sera d'une grande aide, Valash. Ah bon? Je vais vous expliquer comment fonctionnent les expéditions. Les expéditions consistent à envoyer des marins en mission. Ils sont la source principale des revenus de la forteresse. Pour les expéditions, vous devrez d'abord enregistrer un navire et un équipage pour qu'ils soient liés à cette carte de forteresse. Ok, pensez à signer le formulaire de candidature des marins dans votre inventaire. Inventaire, ici. Qu'est-ce que c'est ça? Énergie de forteresse. Restaure l'énergie de l'action de la forteresse. Restaure 1000 points d'énergie de la forteresse. Oui, oh, vas-y. Ok. Et du coup, je fais quoi là maintenant? Je sais pas, j'ai pas tout compris. Oh, mais j'ai un gars, il est trop cute!
Courtier du marché. Ça, c'est quoi ça? Regardez. Protection du bétail. Moins de 1 minute. Formation automatique. Oh, mais je peux mettre mon lapin et tout, mais c'est trop bien! Hey Ken, how are you today? Mais c'est trop cool! Je vais voir mon navire. Pas de soucis Ken, y'a aucun problème. Mais bon courage pour demain. Hein. Et ça va et toi? Construire le Bella Lucia, non. De toute façon, ils sont tous bloqués. J'ai pas de bateau, en fait. Vous voulez partir comment, en truc? Équipage. Frère, j'ai mis mon lapin. Ah ben, moi, ça va. J'ai eu comme un gros cochon sur Lost Ark. Mais c'est trop cool, ce jeu. Sélectionner une mission et... Et déployer votre équipe. Ouais. Et je veux ça. Former l'équipage. Et ensuite... Mais je peux pas, j'ai pas de bateau. Non mais grave, on est d'accord. Ce jeu est grave addict. Du coup j'ai du mal à faire mon sport. Non mais ça c'est rien, on s'en fout. Mission spéciale... Mais je peux pas la faire du coup. J'ai pas de bateau. Il y a aucun navire d'expédition disponible pour le déploiement. Bah ouais. Je fais comment si j'ai pas de bateau? Ils sont rigolos eux. Oh, qu'est-ce que c'est là-haut? Attends. C'est sur un laboratoire en haut de l'écran. Finir recherche permettant de construire le bel. Ah bah attends, je viens de trouver. C'est marqué en gros en fait. Faut que je fasse ça, lancer une recherche, construire le Bella Lucia. Recherche, c'est parti. Hop là, 15 secondes. Il faut que tu débloques ton bateau, Valouchi, me semble. Bah oui. En vrai, je sais plus, je m'occupe. Je m'occupe pas de la forteresse. Oh ah, bah je vais m'en occuper tellement. Mais il est trop bien ce jeu. Recherche terminée. Est-ce qu'on n'aurait pas un bateau? Niveau de forteresse 2. Est-ce qu'on n'aurait pas un bateau? Envoyer des marins. Commencer la mission. Attends, non, 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 j'ai pas mis les trucs. J'adore parce qu'on peut mettre Jeanne au lapin. Franchement, je kiffe juste pour ça. Mais normal que t'es un Kiko Builder, mais grave, clairement. Mais c'est ce que vous aimez bien chez moi. C'est pour ça que vous êtes sur la chaîne. Du coup, perte de durabilité, moins 5%. Pourquoi? Parce que c'est un bateau de pourri, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Cœur de bête. Ce cœur prélevé sur une bête bat encore. C'est un objet rare obtenu grâce aux expéditions de raid. Il peut être échangé contre des sceaux de raid auprès des marchands internes. D'accord, ok. Sceaux de... Ok, d'accord, c'est bizarre. C'est parti! Ouais, gros mytho, va. Bah. Gros mytho. Rapport de mission. Rang S carrément. Ah ouais, non mais comme ça quoi. C'était un jeu d'enfant. Oh, on a tout ça à faire. Traquer des rebelles. Ah ouais, du coup ça donne des médailles, mais je sais pas quoi ça sert. Ah ouais, 2 heures. Ah ouais, 2 heures. Mais ça sert à quoi au juste? Les missions normales sont actualisées chaque jour à 11h. Ok. Donc, en gros, fuyez... Là, je gagne quoi? De l'XP, ok. Une monnaie acceptée sur le mer, machin. Et un symbole obtenu grâce à une expédition de raid. Il peut être échangé contre les autres choses auprès des marchands itinérants. Ok. En vrai, c'est les mêmes, c'est juste ça qui change. On va se les faire une par une. Hein. Ah mais non! Mais j'ai mis le bateau sans rien. J'ai pas mis d'équipage.
Bah, te rapporter soit des ressources, stuff, argent, et échanger avec les vendeurs actuels dans ta forteresse. Bah, du coup, t'auras rien. Bah oui. Boulet. Oui, en plus, faut que j'attende une heure. Enfin, deux heures. Mais, ouais, c'est cool. Bravo, Valache. C'est bien. Pourquoi je peux pas? Je sais pas. Oh, y a un coffre. Pa. T'as envoyé un vaisseau fantôme. Maxou, y a pas les commandes vocales pour l'instant. Faut que je remette en place. Parce que j'ai changé tout le truc. J'ai changé tout. Ma grosse tête. J'ai tout changé. Encore une fois. du coup, si toi t'es ici et que ton équipage est aussi, qui conduit? C'est pas faux. Est-ce que du coup on va me redonner mon bateau ou pas? Maintenant, permettez-moi de vous parler des marchands. Qu'est-ce qu'un marchand? Les marchands itinérants visitent les continents et signent des contrats avec divers maîtres. Plus vous gagnerez en réputation, plus les marchands voudront passer des accords avec vous. Ceux-ci vous achèteront alors des matériaux issus de votre atelier et autres objets obtenus en expédition pour vous proposer des avantages variés. Ok, les marchands itinérants viendront mouiller dans ce port. Viendront mouiller dans... Alors non, ils sont priés de pas venir mouiller chez moi, s'il vous plaît, merci, parce que franchement, je vais pas être d'accord. Quand vous aurez signé un contrat avec une guilde de marchands, et que vous leur assurez accord, vous aurez un accord, permis de commerce, vous allez voir le marchand itinérant. D'accord. Alors, je pense que tu as vu la Vierge Marie, si tu penses le récupérer maintenant. Quoi? T'es pas sérieux? Mais non, elle va revenir. Elle va revenir dans une heure. Je sais que je vais le récupérer, arrête. Dis pas de bêtises. C'est joli en attendant chez moi. Contrôle 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En cours, ok. Et du coup, info habitat. Tenue, structure. J'ai rien. La gestion du manoir permet de sélectionner... Mais vas-y, pourquoi tu pars en 2 secondes, toi? Expansion annonce le développement. Non. J'ai rien du coup, c'est ça? Ok. Ici, si je peux rien faire pour l'instant. Argent 863. Est-ce que je gagne de la thune là, à l'heure actuelle? C'est quoi ça? C'est station d'expédition. Ça, c'est quoi ça? Modification de l'apparence. Ok. Bah, tu vois, il y a un bateau fantôme, il a même pas de voile lui. Laboratoire, fabrication, station, manoir. Station. Station, bah du coup, bah oui, bah faut attendre. Ok. Fabrication. Potion APV, pour l'instant je peux faire que ça. Objet réalisable, voir les favoris. Ok. Je peux faire que ça, bon, ça m'intéresse pas. Contrat marchand, premier commerce. Oui, on veut ça. Contrat marchand, permis de commerce. Ta-da-ta-da-da. Procédure nécessaire, terminer la quête. Ok. Recherche, oui. C'est toi le pas de voile, oui. Quoi? Ah, j'ai mal à l'épaule. C'est horrible. Oh putain. Je déteste faire les vaccins du tétanos. À chaque fois, ça me fait trop mal. Oh! Hello, my friend. Les marchands transportent avec eux des denrées rares. On dirait pas l'autre débile. Afin de commercer avec eux, vous devrez d'abord signer un contrat. Ok. Une fois le contrat signé, les marchands viendront régulièrement dans votre forteresse. Ok. J'adore ce jeu, je suis de plus en plus amoureux. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a
Hier soir, je me suis amusé à prendre les premières cartes. Vous savez, genre le Fierbourg, etc. là. Et à tout chercher dedans. Genre tous les monstres qu'il faut, tous les boss, tous les machins. Pour essayer d'avoir le plus possible. Mais il y a des zones qui sont pas encore ouvertes. Du coup, j'ai pas pu faire à 100%. Mais c'est déjà pas mal. Genre, je sais pas si je peux vous montrer. Genre, Rétramis, du coup, je suis à 60%. J'ai pas réussi à avoir tout ça encore. J'ai réussi à avoir un plat parce que les autres, ben, faut les avoir, mais... Voilà, non, j'en ai deux. Ça, j'ai fini en facile et en difficile. J'ai fait le boss aussi. Et il me manque juste trois monstres. Je sais pas où ils sont. J'arrive pas à les trouver. Voilà. Et après, du coup, faut que je trouve aussi les histoires cachées. Et là, je suis à 33%. Du coup, le boss, je l'ai pas fait. Ici, il faut vraiment que j'y aille. Hein, parce que j'ai rien fait du tout ici. Clairement. Rien du tout. Ici, après, tu as l'utérin occidental où j'ai quand même fait un peu de trucs. Mais pas tout. Là, faut que je retourne les faire. En difficile. Là, faut que j'aille rechercher ces trois-là. Que j'aille chercher les plats. Que j'aille chercher les monstres. Les monstres, il m'en manque deux. Donc, ça va. Après, tu regardes sur des guides, au pire des cas. Des guides pour quoi faire? T'as cru que j'étais qui, moi? Laboratoire, j'ai pas de quête à faire. Manoir. Manoir, je peux rien faire. C'est triste. Il faut que j'aille... attends, échappe. Par contre, c'est chiant. On peut pas sortir de notre monture? Ah si, on peut! Je savais pas. C'est qui? Marchand itinérant Tago. Bien, c'est joli. Nous aussi, on a de jolies choses. Ah, ok, les seaux de raid, ils me servent à ça, ok. Recette de fabrication de Auvent. Cristal du mont Zagoras radieux. Je sais même pas ce que c'est. Et comment on sait combien j'ai de sauts de raid? Ah ok, sauts de raid, j'en ai 120. D'accord. Ah non, 120 là. Et là, il me dit 196 en votre possession. Genre, je peux prendre ça? À utiliser pour fabriquer des structures de haut vent. Ben, on va prendre ça. Échanger, ben, un seul, du coup, ça me suffit. Et on va faire ça, échanger. Un seul, ça me suffit. De toute façon, il n'y en avait qu'un. Donc, c'est nickel. Et du coup, il me reste 66 en votre possession. Oh, c'est pas grave. Là, du coup, il faut que je quitte. Que j'aille dans mon inventaire. Que je fasse ça. Utiliser ce recette de fabrication au vent. Vous prendre la méthode de fabrication. Bah oui, je veux. Et ça, j'aime rare qui brille légèrement et que l'on ne trouve qu'au sommet du monde. Hein. Ok. Je sais pas comment faire ça, du coup. Enfin, je vais dans mon coffre. Ok, en fait, où il y a marqué maison, c'est-à-dire que ça me sert dans la forteresse. Ok, tout ça, faut que je le vende. D'accord. Ensuite, oh. Visite de marchand Tago. Le marchand part dans 7 heures. Il a une sale gueule, quand même. Hein. Il fait pas partie des méchants qu'on tue d'habitude. J'ai un doute, là. C'est qui, elle? Échange de recettes de fabrication. Attends, je veux voir... Recette de fabrication de pièces de... Tu sais pas. Pièces de fabrication d'outils. Nécessaire de réparation d'outils d'artisanat. Outils de récolte adepte. Outils de récolte... Ok. Et là, par contre, il me faut... 250 de sauts l'envoi. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sauts différents dans les trucs. Je commence à échange spécial. Du coup, ça, c'est avec les sauts de raid. Avec les sauts rares. Et elle a fait quoi? Épice de calard, ça sert à quoi? Une épice rare utilisée dans les festins. Ouais, c'est juste une épice en fait. Ok, épice. Sceau victoire. Ah ok, tu peux lui acheter des sceaux à elle aussi. Ok, d'accord. Lui, rondole. Rondole. Ah ok, tu peux échanger tes minerais contre... Ok, d'accord, pour faire de l'échange, ok. D'accord. Là, faut que j'aille là. Aïe, Adeline. Permettez-moi de vous escorter jusqu'au manoir.
S'il te plaît, il y a plusieurs choses à savoir là-dessus. Je vous explique en chemin. J'ai fabriqué un dispositif spécial dans le manoir en me servant du livre ancien que Naoun a laissé ici. Que qui, pardon? C'est qui, Naoun? Non, tu dis des trucs, je comprends le pas, madame. Le manoir offre toute une gamme d'effets bénéfiques qui influent sur le domaine. Choisissez-les avec soin. Eh oui, mais j'ai pas. Comment je fais? Vous pouvez également gérer le manoir grâce au livre. C'est très facile. Équipez l'effet de votre choix dans l'emplacement prévu. Celui-ci durera jusqu'à ce que vous le retiriez. Veillez bien à rechercher tous les effets nécessaires pour votre forteresse et à les équiper ensuite en fonction. Nous devrions faire ces recherches ensemble. C'est rassurant. Pour finir, augmenter un niveau vous permettra d'accéder à une nouvelle recherche et bien sûr, nous pourrons achever plus de projets. Je comprends pas tout, hein, mais ok. C'est quoi ça? Boîte à outils. Boîte à outils de menuiserie du Bern. Ça devient compliqué de plus en plus, là, je comprends pas tout. Et du coup, mais j'ai toujours rien ici, je peux rien faire. Choisissez un emplacement pour afficher la liste des effets équipés. Emplacement des effets. Le temps de recharge démarre une fois l'effet appliqué. Ah ouais, ok. Et du coup, ensuite, contrôle 1, laboratoire en haut de l'écran, finir la recherche, laboratoire niveau 2. Contrôle 1, laboratoire recherche niveau 2. Ok, ok. Donc le route. Oh, je peux faire plein de trucs. Amélioration de bâtiment. Atelier fabrication niveau 2, manoir niveau 2, amélioration du bien-être. Mais je peux tout faire en fait. Est-ce que ça me coûte de l'argent par contre? Coût de recherche. Ah ouais, 3800, j'avais pas vu. Ah ouais, ça coûte de la thunasse. Je croyais que ça coûtait que des trucs, moi. Ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est un 3000. Ouf, je suis qu'à 126 000, mais bon. Ouais, les quêtes, ça va vite. J'ai vu ça. Mais du coup, on fait quoi? Le manoir ou l'atelier de fabrication? Peut-être l'atelier de fabrication d'abord, non? Ou le manoir? Rattraper l'intérieur du manoir pour vérifier sa structure. Les chercheurs ont désespérément besoin de vacances. Ils seront plus efficaces au travail s'ils ont bien reposé. Attends, là je paye des vacances à mes gars, c'est ça que tu es en train de me dire là? Ok. Combien de temps ça dure? 7 heures? C'est une blague? 11 heures? On va faire ça d'abord. 7 heures? Tabarnak. C'est énorme. Ok. Fabrication. Toujours veut faire que des potions. Ok. Station. On en est où? Dans mon truc qui va rien me rapporter. Je suis trop deg. Et le manoir, j'ai rien compris. Du coup, est-ce que je dois faire hein? J'ai rien. Donc c'est réglé. Alors, voilà. Oh, ah ouais, du coup, je peux les voir là, mes trucs. Ok, c'est cool, ça commence à se remplir. C'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Et du coup... Que j'ai toujours pas compris. Oh, mes explications étaient-elles trop rapides pour vous? Un petit peu, ouais, j'ai rien compris. J'ai compris, c'est... Vous êtes allé un peu trop vite. Bon, on va dire que j'ai compris. Vous avez... vous êtes une personne occupée, nous pouvons rien faire.
si vous jouez le champ de fuite. J'ai rien compris. Oh! Pourquoi tout le monde vient chez moi comme ça? Bonjour, mais qui vous a dit de venir en fait? Les gens semblent avoir le moral. Bah c'est sûr qu'on vient chez moi. Que vous étiez né pour diriger. Oh, un festin. Le Luthéran a un présent pour vous et vos sujets. Attends, tout ça c'est à moi ça? C'est mes habitants à moi? Bon, je suis pas sûr. Mangeons. Buvons et amusons-nous. Non mais regardez, elle est comme un danse, elle. Elle, tu sens qu'elle a envie de monter sur la table et de faire Beyoncé. Tu le sens, tu le sais, on le sait tous. Sa Majesté elle-même vous transmet ses félicitations. Cette forteresse a timbré un... oui, c'est sûr. Ouais, oui, c'est normal, c'est moi qui l'ai gère. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Merci de votre patience et de votre compréhension. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Ouais, bref, allez, arrête de parler. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné encore? Structure coffre-fort solide. Structure tonneau en bois. Structure grand chariot. J'ai rien compris. Ici, c'est mes trucs à moi. On va en remettre un petit peu quand même. Tu seras gentil. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai un pouce bleu là? Il veut quoi lui? C'est quoi ça? Félix. Serait-il possible que vous ajoutiez une structure devant cet endroit? Pourquoi? Vous êtes une aventurière célèbre, n'est-ce pas? J'aimerais juste voir l'étendue de tout ce que vous avez. Ça, c'est... Comment? Vous pouvez le faire en mode conception. Utilisez la souris clic gauche pour cliquer sur une parcelle vide et installer une structure gratuitement. Ok, alors, il faut que je fasse CTRL 1. Que je clique ici. Non, ça marche pas. CTRL 1, sélectionner fabrication. En haut de l'écran, structure fabriquée ce que vous souhaitez. Structure. Une petite fontaine. Des buissons. Bon, on va construire une fontaine, hein. Ah ouais, par contre, ça me coûte du coup le kit qu'on m'a donné. D'accord, ok. Après ça, je peux mettre des buissons partout. D'accord. Non, on va construire la fontaine. Oh, attends, ça me coûte de l'argent. Attends. Et ça aussi? Mais pourquoi ça me coûte ça? Ça, c'est chiant à avoir. Bon, bah d'accord. Dans une heure. Super, c'est cool. C'est chiant que ça mette du temps tout le temps comme ça. C'est relou. Laboratoire, il en est où? Oui, c'est réussi dans 11 heures. J'avais oublié. La station, dans 2 heures et on n'aura rien. Et mon manoir, je peux toujours pas faire ça. Je sais toujours pas quoi ça sert. Vous pouvez appliquer des effets de la forteresse en affectant une structure et une tenue à l'emplacement. Mais comment je fais? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Là, j'ai pas compris comment ça marche. Ok. Bah, c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai envie d'aller là, moi. Vous avez vu, j'ai le phénix. J'ai Bibi qui me suit. Elle s'appelle comme... Ok, la teinture est disponible lorsque vous possédez une apparence pouvant être teinte. Ok, super, merci, c'est gentil. Vous ne servez strictement à rien.
Et il me sert à quoi ce portail ?